boy no moji, kakoi no moji, lady ni erenje sende mi totem sukabe, begundu. Anenam nakatom, inje brong ni fase, eramba panang arbunyi laku. Wadi jauh beti. Afrika ye. Tout cela démarre avec la découverte des Amériques par Colomb et la nécessité de trouver une main-d'œuvre gratuite pour peupler et travailler sur le territoire du Nouveau Monde. En effet, quand Colomb arrive, et pas seulement Colomb, mais aussi tous ceux qui ont fait des découvertes et qui ont été les colonisateurs là-bas, eh bien, progressivement, les populations amérindiennes, les populations locales, sont, disons, éliminées, ne serait-ce que par l'arrivée de maladies nouvelles. Il faut donc trouver de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, on va la trouver en territoire africain. Alors, avec le fameux commerce qu'on a appelé le commerce triangulaire, c'est-à-dire qu'on apporte des denrées sur les côtes africaines, des objets de pacotille, des armes aussi, et on fait l'échange avec ce qu'on appelle le bois d'ébène, c'est-à-dire les noirs qui, à ce moment-là, doivent être sélectionnés en fonction, j'allais dire, de leur rentabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des vieux, on va prendre des jeunes, on va prendre des hommes et des femmes de façon à ce qu'il y ait possibilité qu'ils se reproduisent, et on part ensuite pour traverser l'Atlantique et pour que les esclaves soient vendus là-bas dans des plantations. La traite des Noirs, tout ça s'est étendu sur les 16e et surtout 17e, 18e siècle. Si on voit aujourd'hui, en particulier dans des villes comme Bordeaux ou dans des villes comme Nantes, de superbes demeures bourgeoises, elles ont été construites par la sueur des esclaves finalement, parce que c'est l'argent de la vente des esclaves qui leur a permis. La Révolution française arrive en 1789, c'est évidemment un souffle dans l'ensemble de notre territoire français, et elle va conduire à un certain nombre d'actions, de lois, et c'est en particulier sous la Convention en 1794 que l'on va décider de l'abolition. C'est-à-dire qu'on va considérer que on ne doit plus accepter l'esclavage et qu'on doit donc donner la liberté à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui étaient exploités évidemment par leur travail. Mais ça n'aura qu'un temps puisque en 1802, lorsque Napoléon n'est pas encore empereur, c'est Napoléon Bonaparte à ce moment-là, il est simplement premier consul, il décide, lui, de revenir à la situation antérieure à la Révolution, c'est-à-dire qu'on revient à l'esclavage, et ne serait-ce que pour des raisons économiques. Il subit la pression du lobby des colonisateurs qui ont besoin de ces esclaves, en particulier pour travailler de façon gratuite dans les plantations. Et puis ensuite, la grande date clé, c'est 1848, c'est-à-dire qu'on a à nouveau un souffle révolutionnaire, c'est le souffle qui va conduire à la chute de la monarchie, à la chute de Louis-Philippe et à l'arrivée de la Seconde République. Et là, il y a des gens qui vont se battre, en particulier Victor Schœlcher, et nous arrivons à la deuxième abolition de l'esclavage, qui sera d'ailleurs considérée la dernière abolition de l'esclavage, et qui va donc permettre d'avancer d'ailleurs, comme d'autres pays avaient avancé dans le monde entier, y compris des pays européens, qui s'étaient posé la question avant nous. Le 27 avril. Alors voilà, pourquoi 27 avril ? C'est le jour du vote, de signature, pardon, du décret par Victor Schœlcher qui abolit l'esclavage en 1848. Bon, voilà, 27 avril. Le refus du 27 avril, c'est le prélude, en quelque sorte, de ce qui s'est passé là. Alors le comité mémoire de l'esclavage, donc, a dit, bon, ben non, on ne peut pas imposer cette de 27 avril si la population, une partie de la population la plus militante n'en veut pas. Et on a remis le travail sur le tapis,
et on a discuté. Il a fallu 18 mois pour arriver à un consensus. Choisir une date est toujours très compliqué. Toujours. Quel que soit le sujet. Il faut choisir une date qui ouvre vers l'avenir. Et on s'est dit, voilà, la loi Taubira ouvre vers l'avenir, puisqu'elle qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité pour les générations qui viennent. Et le président de la République, dans un discours, a solennellement proclamé que le 10 mai serait chaque année la date consacrée à la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Cette loi, pendant longtemps, a été la seule votée. Aux États-Unis ou en Angleterre, on a refusé de voter une loi pareille. Le seul État aujourd'hui qui a voté une loi qui dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité, c'est le Sénégal. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'esclavage dans les manuels scolaires. Pas beaucoup, pas rien, c'est pas vrai, c'est pas rien, mais pas beaucoup, c'était pas très clair, pas très construit. On parlait, par exemple, pour 1848, de l'abolition de l'esclavage. Mais on n'a pas dit ce que c'était que l'esclavage avant. Finalement, ça a fini par être intégré dans les programmes, mais à petite dose, et de façon très différente selon les cycles d'études. Paradoxalement, c'est plus présent dans l'enseignement technique que dans l'enseignement général. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, ceux qui m'ont précédé à ce micro ont été très complets sur l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Je voudrais vous lire un court extrait d'un livre de Jean-Marie Leclésio, un livre qui est de 2017, qui s'appelle « Alma ». De tous ces noms, de toutes ces vies, ce sont les oubliés qui m'importent davantage. Ces hommes, ces femmes que les bateaux ont volés de l'autre côté de l'océan, qu'ils ont jetés sur les plages, abandonnés sur les marches glissantes des docks, puis à la brûlure du soleil et à la morsure du fouet. Je ne suis pas né dans ce pays, je n'y ai pas grandi, je n'en connais presque rien. Et pourtant, je sens en moi le poids de son histoire, la force de sa vie, une sorte de fardeau que je porte sur mon dos partout où je vais. Olivier Aiguille de l'association Olimidom. Linda François de l'association Apaise Haïti. Dominique de l'association Olimidom. Nous travaillons ensemble avec plusieurs associations sur le projet de la commémoration de l'abolition de l'esclavage sur la ville d'Évry, en partenariat avec la ville, avec le service culturel, service associatif, service événementiel, David Évry. Voilà. Donc voilà. On collabore tous ensemble par des réunions pour établir un programme chaque année pour le 10 mai. Depuis 2006, le 10 mai est la journée nationale des mémoires de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. La loi l'a voulu, le président Jacques Chirac l'a fait, et la ville d'Évry-Courcouronnes est depuis au rendez-vous de cette mémoire, comme de toutes les autres. Cette année, ce sera la 20e année, la loi Taubira de 2001, d'une part, l'engagement de nos villes, Évry-Courcouronnes, depuis 13 ans à peu près. Il y a eu la création de la Stèle Dumas, il y a l'école Aimé Césaire, bien nommée il y a quelques années, et puis l'inauguration de la rue Toussaint L'Ouverture. Donc beaucoup d'éléments de mémoire ici, et qui en plus cette année prennent un cap un peu particulier avec les 200 ans de la mort de l'empereur Napoléon, dont vous savez qu'en 1802 notamment, il a réinstauré l'esclavage. Tous les 10 mai, il y a une marche, c'est-à-dire la réunion de tous les gens, les habitants d'Évry, tous ceux qui veulent s'y joindre. Et en fait, on fait la marche sur tous les points stratégiques, on va dire, de la ville d'Évry, c'est-à-dire en passant par l'Estelle, en passant par l'école la Stèle Dumas, en passant par l'école de Aimé Césaire, Toussaint L'Ouverture. Donc on fait un petit parcours qu'on a dessiné. Donc bien sûr, ça s'est fait déjà il y a 2-3 ans. Et ça se reproduit d'ailleurs sur d'autres villes. Mais bon, nous, on a commencé sur la ville d'Évry. Voilà. La marche blanche est l'événement principal sur la ville d'Évry. C'était le moyen de symboliser déjà la mémoire de nos aïeux, mais à travers cette marche, c'est réunir tous les citoyens de la ville pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, on a des discours, comme il disait, on a aussi des spectacles, il y a un programme qui est fourni. Mais le seul lieu où on peut se retrouver et marcher ensemble pour nos aïeux, c'était la marche blanche. Toute personne qui a envie justement de commémorer et de dire stop à toutes ces injustices, puisque la loi Taubira, l'un de ses axes, c'est enseigner justement ce qui s'est passé, l'histoire, que ce soit
par rapport à l'esclavage, par rapport à la colonisation, toute cette histoire qui soit déballée, je dirais, de façon au grand public, mais sans amertume. Le but, c'est pas de pointer un tel en disant tu es responsable. On n'est pas là non plus pour faire de la repentance. On n'est pas là pour demander une indemnisation. Ça ne sert à rien. Parce que quelque part, ce n'est pas moi, Linda, qui a vécu l'esclavage. Moi, je voudrais qu'à titre bénévole, qu'on puisse aller à la rencontre de ces enfants, leur expliquer qu'est-ce que c'était que l'esclavage, qu'est-ce que c'était que la colonisation. C'est la raison pour laquelle, chacun à notre échelle, devons continuer de faire vivre cette mémoire. Non pas pour la porter comme un fardeau, mais pour la transmettre et pour faire en sorte qu'elle finisse un jour par être réellement et totalement du passé. Notre devoir de mémoire aujourd'hui est celui de démontrer à tous ce qu'il s'est passé, sans cacher les mots, sans choquer, dire ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est l'histoire de la France. Tout à fait. Aussi bien sur certains événements qu'on le respecte, le 14 juillet, le 8 mai, ce sont des histoires de la France. À nous, le tissu associatif, de représenter un peu cette histoire, de la faire pérenniser dans le temps, à nos plus jeunes, à nos plus anciens, à tout le monde. Parce que la liberté, elle est pour tous. En commémorant tous les événements, gardant une forme de lucidité et d'objectivité sur les événements du passé, essayer de les expliquer, essayer de les comprendre, en essayant de les regarder dans le contexte de ce qui s'est passé, par exemple la remise en place de l'esclavage sous Napoléon en 1802, à une époque où les effets des droits de l'homme ou le positionnement démocratique, collectif, n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc essayer de regarder l'histoire avec lucidité, mais en même temps, ne pas hésiter à pointer ici ou là les fautes morales qu'il y a pu y avoir, pour essayer ensemble de faire consensus et d'une certaine manière d'embrasser la même histoire, la même culture et puis de construire un bien commun ensemble. Africa, yeah. Mokoloni ni toko sangana.